tardes a todos. Tengo la enorme suerte de estar invitada a esta serie de la UNAM, de TV UNAM, Pensadores Contemporáneos, en una mesa redonda, a llevar a cabo una plática con el filósofo francés, el muy grande filósofo francés y mi amigo Jean-Luc Nancy, y con mi colega Jorge Rizo Martínez. Vamos a llevar a cabo una plática un poquito sobre los textos que Jean-Luc Nancy ya desde 3 meses está publicando sobre la pandemia que todo el mundo está atravesando. Tengo el honor de presentarles al filósofo francés, profesor emérito de Estrasburgo, Jean-Luc Nancy. Jean-Luc Nancy es uno de los más influyentes filósofos de Francia y también de todo el mundo. Yo misma he publicado más de 80 textos aquí en México y lo he enseñado en muchos lugares aquí en México. Hay académicos en todo el mundo, en todas las universidades del mundo, que trabajan sobre su obra. Mi colega, ahora les voy a presentar a mi colega Jorge Rizo Martínez. Jorge Rizo también es filósofo, de hecho es doctorante en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Políticas Sociales en París, en Francia, en Sorbonne. Vamos a empezar esta plática con 4 preguntas que Jorge Rizo preparó para Jean-Luc Nancy después de haber leído y estar expuesto a su filosofía y particularmente a los últimos textos que ha publicado el filósofo en Francia y a través de varias pláticas que he dado por la plataforma de filósofos en los tiempos de pandemia. Y después de las preguntas de Jorge Rizo voy a seguir yo y voy a cerrar sin realmente terminar porque el sentido es interminable e inalcanzable esta plática de hoy. Bonjour Jean-Luc Nancy, bonjour Jorge Rizo Martínez, doy la palabra a Jorge Rizo y él nos va a conducir la primera parte de esta plática. Muy buenas tardes a todos, muchos saludos desde París. Les agradezco mucho esta invitación. Muchas gracias por haberme invitado. Bonjour, Monsieur Nancy. Merci beaucoup. Bonjour. C'est un honneur pour moi. Et je voudrais commencer par vous demander quelques précisions par rapport au dialogue épistolaire, ou plutôt électronique, que vous avez entamé récemment avec votre collègue et ami Giorgio Agamben. Je sais que beaucoup de personnes ont déjà posé beaucoup de questions à ce propos. Mais bon, en répondant à votre ami dans un article qui est paru le 27 février dernier dans le site italien Antinomie, vous dites que les États ne sont que des tristes exécutants de cette défense. Alors, ce terme m'a beaucoup frappé. Et j'ai 2 questions précises là-dessus. Premièrement, si ces États sont les exécutants, donc qui a écrit le plan à exécuter? C'est la démocratie ou l'ordre économique? Et deuxièmement, pourquoi cela est triste? Même avec des résultats positifs, le sacrifice des libertés au nom de la protection de la vie est quand même à regretter. Alors, qui a écrit le programme à exécuter? Qu'est-ce qu'il y a quelque chose? C'est un programme très ancien parce que, par exemple, on peut trouver déjà une trace philosophique de ce programme dans un article de Kant. En 1782, il y a eu une épidémie, une très grande épidémie qui a traversé toute l'Europe. Et quand elle venait de Russie, elle est arrivée à Königsberg. Et Kant écrit un article où il ne parle pas de la pandémie, il ne parle pas de la médecine, il ne parle pas de la santé, il parle uniquement du commerce moderne et de la circulation moderne qui fait venir, qui transporte des maladies. De Kant jusqu'à nous, vous pouvez trouver beaucoup d'autres témoignages écrits, j'en ai trouvé d'autres dans des livres du 19e siècle, etc. Où, parce que Kant ne connaissait même pas le train ni la voiture. Vous voyez, bon, Kant, il parle du commerce
avec les bateaux et les caravanes. Ils parlent de caravanes. Bon. Et nous, nous sommes très loin au-delà de la caravane. Nous sommes à une époque où une grande quantité de, ben oui, d'Européens ou d'Américains vont en Chine, etc., etc. Voilà, c'est tout. Ça, c'est l'écriture du programme. Bon. Et ça n'a rien de nouveau. Ça n'a rien de nouveau, seulement, évidemment, aujourd'hui, nos moyens de, à la fois nos moyens de détection, nos moyens d'information compliquent encore plus ce programme, mais voilà, je vous dis, déjà pour Kant, c'est l'épidémie de 1782 qui a fait plusieurs millions de morts à travers l'Europe, qui après est passée par l'Allemagne et puis après jusqu'en Angleterre, et elle était déjà complètement liée à un état d'interconnexion du monde, à petite échelle du monde, encore que Kant, dans le même article, Kant parle aussi de la Chine. Il dit qu'il y a des insectes nuisibles qui sont passés de Chine en Russie, puis après de Russie en Europe. Yeah. Donc voilà, c'est pas compliqué. Alors si c'est pas compliqué, sauf que le programme, lui, il est extrêmement compliqué, parce que on est devant un phénomène devant lequel déjà la médecine elle-même, surtout au début, a été hésitante, etc. Plusieurs solutions étaient possibles, etc., etc. Bon, voilà, c'est tout. Mais les États là-dedans ne sont en effet vraiment que des exécutants. Ils ont bien été obligés de faire avec ça. Évidemment, ils auraient préféré s'en passer. Ça, je crois que, à part peut-être, bien sûr, on peut toujours trouver pour un État, dans une situation donnée, un avantage. Bon, par exemple, en France, c'est assez facile de penser que c'était une bonne occasion pour Macron que de reprendre un peu de posture présidentielle. Et il l'a fait, d'ailleurs. Il l'a fait. Il a parlé d'État providentiel. Mais ce n'est pas ça qui a beaucoup changé ni le pouvoir effectif de Macron, ni les positions politiques des Français. Voilà ce que je veux dire. D'accord. Merci beaucoup. Et puis, il y a quelques années... Je voudrais ajouter simplement que les États ne sont pas seulement exécutants dans ce cas-là, ils le sont tout le temps, de plus en plus. Et ça, c'est quand même une chose que tout le monde sait. Qu'est-ce qui décide, par exemple, d'une politique de transport dans un pays? Qu'est-ce qui décide d'avoir des trains à grande vitesse ou pas? D'avoir des avions ou pas? D'avoir des aéroports de telle taille, etc. Ce n'est pas les États. Les États sont des pièces importantes, bien sûr, parce que... Mais il y a quelque chose avec dont on parle tout le temps en Europe qui s'appelle le lobbying. Bon. Eh bien, à Bruxelles, où se passent les accords entre les États européens, il y a une véritable industrie du lobbying. C'est-à-dire qu'il y a des grandes entreprises, des grands groupes mondiaux qui ont des personnes qui sont là pour faire valoir leurs arguments, leurs intérêts, et aussi pour éventuellement faire des promesses, ou plus que des promesses. Enfin bon. Hein. Merci beaucoup. Bon, on est un peu pressé par le temps, mais je vais essayer d'être bref pour laisser la place à ma collègue. Bon, il y a quelques années, en évoquant une conférence de Heidegger de 1964 appelée « La fin de la philosophie et la tâche de la pensée », vous avez dit qu'une mutation est plus simple qu'une crise,
car elle est une variation décisive. Alors, pensez-vous qu'on est aujourd'hui devant une crise ou plutôt devant une mutation de la civilisation? Bon, je dirais, on est dans une crise à l'intérieur d'une mutation. Parce que la mutation, elle a commencé. Elle a commencé, c'est impossible de dire quand. Par exemple, je pourrais dire que, en gros, en très gros, hein, qu'après 1968, on peut voir vraiment le commencement de la mutation. Pour beaucoup, beaucoup de raisons. Mais bon, j'aimerais. Mais à l'intérieur de ce long mouvement de mutation, il ne faut pas oublier que mutation en biologie, ça veut dire changement de capital génétique. Ça veut dire, par exemple, retournement de certains gènes dans un chromosome, etc. Bien. À l'intérieur de cette mutation, il y a, par exemple, un épisode comme la pandémie qui est un épisode critique, mais qui révèle des aspects de la mutation, mais qui n'est pas lui-même vraiment une mutation, parce que des pandémies, nous en connaissons, des maladies, nous en connaissons beaucoup. Voilà. Bon, j'essaie moi aussi d'être bref. Oui, d'accord. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Bon, et puis, dans un de vos séminaires, vous avez cité Étienne Balibar en disant que le capitalisme n'est qu'à la fin de son enfance. Ah oui. Alors, oui, c'est une phrase d'Étienne Balibar, c'est vrai, oui. Oui. Alors, même si la pandémie n'a pas encore fini, on voit déjà des bénéficiaires qui sont devenus plus riches. Ce sont notamment les milliardaires liés au numérique, pour des raisons évidentes, comme le propriétaire d'Amazon, etc. Croyez-vous que cette radicalisation provoquée par le virus est en train de pousser le capitalisme vers l'adolescence ou la vie adulte? Si c'est le cas, qu'est-ce que c'est que l'adolescence? Voilà, l'adolescence, c'est un âge compliqué, difficile, où on s'inquiète sur ce qu'on va devenir. Non, je ne sais pas, je dirais que peut-être les choses vont plus vite que ça. Peut-être qu'on est plutôt déjà dans un âge adulte et légèrement vieillissant. C'est plutôt ça. Pourquoi ? Parce que derrière, je dirais, la petite crise de la pandémie, il y a la très, très grosse, à la fois crise et mutation climatique et environnementale en général. Qu'est-ce que nous ferons dans 20 ans ? Avec le pétrole, avec l'électricité, avec l'eau, nous sommes là. Moi, je crois vraiment ce que dit et répète tout le temps mon ami physicien et philosophe Aurélien Barraud, que il est presque déjà trop tard. Alors nous sommes et nous sommes dans une situation telle que des questions vitales, comme les questions d'eau, d'allumer, etc., vont se poser dans les décennies qui viennent. Et alors le capitalisme, non seulement il va être, mais il est déjà nécessairement atteint. Prenez la voiture, prenez le seul exemple de la voiture. La voiture, qui est l'un des produits, on pourrait dire, emblématiques de la civilisation moderne, la voiture est devenue une catastrophe. Dans la plupart des grandes capitales du monde, la voiture provoque
plus de problèmes qu'elle n'en résout. Or, donc, il faut travailler à d'autres voitures. Et vous savez bien qu'il y a justement il y a des entreprises qui travaillent et qui essaient de travailler le plus vite possible pour créer des voitures sans pétrole, sans essence, électriques, mais après, on retombe sur la question de la production de l'électricité, etc. Bon, donc, il y a une question générale qui est posée, qui est que voulons-nous faire avec le monde et avec la Terre et avec l'humanité ? Et jusqu'à présent, le capitalisme qui a d'abord été en effet la production d'une grande abondance de biens tout à fait inconnus jusque-là, hein, et qui était encore la pensée de Marx, parce que Marx il pensait que le capitalisme remplissait une fonction historique importante et qu'ensuite il suffisait de pousser cette fonction à bout pour que tout le monde profite de ce. Bon. En réalité, maintenant, le capitalisme apparaît plutôt comme une machine d'autoproduction que de production du bien de l'humanité. Mais pour s'occuper du bien de l'humanité, il faut savoir ce que c'est que l'humanité, il faut savoir qu'est-ce que c'est qui est son bien. Pour le moment, il y a un seul bien qui apparaît comme le bien de l'humanité, c'est le bien de tous les instruments de la technique et maintenant, en plus, la santé. Mais, justement, est-ce que cela suffit à donner une consistance à l'existence commune ? C'est pas sûr. D'accord. Merci beaucoup. Et pour finir, je voudrais aborder la question du corps et par rapport à vos travaux, vos réflexions très connues à ces sujets. Et en conséquence de la distanciation sociale obligatoire aujourd'hui, on témoigne d'une sorte de déplacement du corps comme vecteur physique de la communication, au moins temporairement. Toutefois, ça fait partie d'un long processus historique. Et moi, comme historien, je pense notamment au XVIe et au XVIIIe siècle, quand l'imprimerie a fini par remplacer la rhétorique comme système de communication. Et du fait de cela, la communication face à face a été substituée. Pensez-vous que le corps, en tant que système biologique, se marginalise de plus en plus pour laisser la place au système communicatif ? Plus précisément la technique, les moyens. Mais je ne crois pas du tout que la situation de la pandémie et de la distanciation sociale imprime une marque durable. Parce que nos corps ne le supporteraient pas. Donc, je ne sais pas comment ça se passera, mais forcément, à un moment donné, il faudra que nous retrouvions le contact. Et d'ailleurs, je dirais, tout ce qui se passe en ce moment ne fait que renforcer notre sens du corps. Parce que vous voyez, là, par exemple, là, nous communiquons avec Zoom, là, nous voyons nos images et nous sommes dans une situation, je dirais, double. Parce que d'une part, c'est Mexico et Strasbourg et moi, de toute façon, je ne fais pas le voyage de Mexico. Même sans la pandémie, je ne le ferai pas. Maintenant, je n'ai plus la force de faire un grand voyage comme ça. Mais on oublie ça puisque on sait que tout le monde est obligé d'être derrière les écrans. Bien, mais du coup, je trouve, moi, que ça me rend d'autant plus attentif mais aux corps qui sont devant moi. Et aussi,
Par exemple, je vous vois, là, je ne sais pas où vous êtes chez vous peut-être, mais en tout cas, je vois que Maria à côté, elle est chez elle, sûrement, parce que le décor derrière Maria n'est pas un décor de bureau universitaire. Oui, je suis chez moi. Je vois l'évier, je vois le robinet de l'évier chez toi. Bon, ouais, bon. Alors, vous allez dire, oui, mais ça veut dire que du coup, il y a une attention différente qui est, bon, ça, c'est peut-être en train. D'ailleurs, vous voyez, en même temps, je viens d'agrandir l'image parce que je n'étais pas en plein écran. Comme ça, je vous vois tous un peu plus grand. Je vois mieux le robinet du l'évier de Maria. Et je vois que derrière vous, il y a une petite étagère avec des livres. Je ne peux même pas voir quel livre, mais voilà. Mais oui, mais même ça, vous, cette petite étagère derrière vous, c'est comme une espèce de signe. Ah, puis je vois par l'ombre sur le mur que vous avez un catogan. Oui. Tandis que de face, je ne le vois pas. C'est intéressant. C'est intéressant parce que j'ai comme une espèce de jeu de silhouette là qui est découpé sur le mur par l'effet d'une lumière qui doit être devant vous. Voilà. Bon, tout ça, c'est... Bon, évidemment, ça ne remplace pas de vous voir, de vous serrer la main, de vous embrasser, bien sûr. Mais je crois que comme évidemment, ça ne durera pas. Ou en durant, ça va évidemment entraîner des transformations. Vous savez, il y a une image, je ne sais plus qui, je trouve qui est très amusante, qui c'est de deux personnes qui s'embrassent sur la bouche avec des masques. Et je suis absolument certain qu'il y a un certain nombre de gens dans le monde depuis le début de la pandémie qui ont essayé, c'est-à-dire, ah, qu'est-ce que ça fait de s'embrasser avec un masque? Peut-être que c'est vraiment pas intéressant, c'est dégoûtant, ou bien... Bon, voilà. De même que, tous les jours, aujourd'hui, on entend la comparaison entre le préservatif qui a été rendu nécessaire par le sida et le masque. Or, évidemment, il y a des différences importantes. Il y a aussi, et on le sait bien, il y a aussi des comportements différents avec le préservatif. Donc, il y a des choix qui sont proposés. Vous voulez prendre ce risque ou pas? Et comment? Bon. Alors, en effet, ce sont de nouvelles expériences, mais ce sont des expériences que nous sommes en train de faire. D'accord, merci beaucoup. Et maintenant, je laisse la parole à ma collègue qui va poser des questions. Merci, Jorge. La question très intéressante, la réponse, oui, très intéressante. Bon, je vais continuer avec mes questions. Bon, Jean-Luc a eu déjà mes questions, mais je veux lire, je veux expliquer un peu la problématique. Bon, au début de la pandémie, je crois, le février, bon, je pense que la pandémie a commencé avant de cette date, peut-être avant la date officielle de Chine. Tu m'as mentionné le mot remondialisation. Bon, dans ton livre de 2002, Création du monde ou mondialisation, tu fais la distinction entre les deux termes.
mondialisation, bon, d'un côté, et la mondialisation et de l'autre côté, la formation du monde. Tu parles de la possibilité d'une formation authentique du monde, c'est-à-dire d'une création du monde et d'une création de sens, qui est le sujet aussi de la conférence d'aujourd'hui avec Jorge Volpi. Bon, tu comprends une telle formation du monde en termes de lutte inépuisable pour la justice. Peux-tu développer davantage ce terme? Qu'est-ce que c'est cet arrêt dans le mot remondialisation? C'est-à-dire il s'agit d'une intensification? Bon, je voulais dire, à l'époque de ce livre-là de 2002, je partais surtout du fait que en anglais, on employait le mot globalisation. Et en français, et le français, je ne sais pas en espagnol ce qu'on dit. Qu'est-ce qu'on dit en espagnol? Globalisation. Globalisation, voilà. Et mondialisation, c'est un peu une particularité du français. Mais c'est intéressant parce qu'un globe n'est pas un monde, ou plutôt un monde n'est pas un globe. Un globe, c'est une boule, c'est bon. D'ailleurs, l'expression de globe, elle est venue de l'expression de village global de McLuhan. Mais un monde, je dirais, c'est ce que Heidegger définit comme une possibilité de signification. Bon. Un monde, c'est ce dans quoi ça fait du sens. Par exemple, si je dis, je peux parler du monde mexicain, ou je peux parler du monde maya, ou du monde aztèque, ou je peux parler, même de telle région du Mexique comme étant un monde, c'est-à-dire un ensemble dans lequel il y a une manière d'échanger, de se rapporter, bon, qui fait du sens ou qui n'en fait pas. Tandis que un globe, c'est pas ça du tout. C'est une certaine surface capable de permettre des mouvements dans tous les sens. Voilà. Donc, en parlant de remondialisation, je voulais dire il faut reprendre la question du monde. Il ne suffit pas d'envoyer des avions, des trains, des bateaux, des marchandises d'un bout à l'autre de la Terre. Encore faut-il que ça fasse du sens. Quel sens ça fait aujourd'hui? Quel sens ça fait qu'il y ait la Chine, la Russie, l'Europe, l'Amérique? Quel sens ça fait? Personne ne peut dire quel sens ça fait. Et le seul sens que nous puissions saisir, c'est que ça veut dire que chacun veut être le plus fort. Voilà. C'est le seul sens que nous ayons à notre disposition. Alors, seulement, jusqu'à maintenant, nous ne nous sommes jamais occupés de cette question. Jusqu'à maintenant, il y avait un monde chinois ou un monde asiatique qui lui-même se subdivisait, mais un monde européen de l'Est, de l'Ouest, un monde américain du Nord, un monde anglo-américain et un monde hispano-américain. Mais c'était quand même des mondes relatifs. Maintenant, tous ces mondes communiquent entre eux et tous sont interdépendants pour des quantités de raisons. Est-ce qu'il est possible de faire un monde? C'est même pas sûr, je ne suis pas sûr. Ou sans doute qu'il ne faut faire un monde qu'avec plusieurs mondes à l'intérieur. Mais en tout cas, la question, c'est celle du monde, parce que pour le moment, je dirais pour le moment, au moins pour la sensibilité, au moins européenne,
nous n'avons plus de monde du tout, nous n'avons même plus d'Europe, et même à l'intérieur de chaque pays européen, il peut y avoir des doutes, des inquiétudes, des angoisses même sur est-ce que la France est toujours la France ? Pas sûr du tout. Peut-être, alors, est-ce qu'il faut refaire un monde français ou est-ce qu'il faut que la France devienne autre chose que la France ? Quoi ? Je ne sais pas. Mais il y a des gens en France qui crient déjà que la France est en train de faire un grand remplacement de toute sa population, que la France va devenir arabo-africaine, hein, et que nous, les bons vieux Français de souche, c'est fini. Bon. Ça, c'est évidemment une sottise, mais ce n'est pas une sottise que de dire, oui, peut-être, quelque chose de ce qui a fait le monde français est fini. Voilà. Ah, il faut... Débrouillez-vous avec ça. Bon. Je vais passer dans la deuxième question. La deuxième question est un peu personnelle parce que, bon, je suis très frappée de votre livre « Exclus Louis et nous ». La traduction de ce livre va paraître le mois prochain dans Fordham University Press, « Excluding the Jew Within Us ». Bon, j'ai lu ce livre depuis deux ans, mais je suis très frappée pour l'argument, bon, la thèse que vous finissez par dire « La civilisation porte son propre germe ». Bon, la pandémie, bon, le virus, c'est un germe. Bon, et s'apprête à s'exclure de sa propre idée. Toutes les adhésions et tous les espoirs sont possibles. C'est la manière que tu termines cette livre. Mais pouvez-vous développer davantage cette fin, la manière, bon, cette affirmation ou, qu'est-ce que c'est l'attention ou l'espoir qui veut dire que la civilisation porte son propre germe et la civilisation s'apprête à s'exclure de sa propre idée. Quelle est l'idée de civilisation? Quel est le germe? Et qui veut dire les attentions et les espoirs? Non, mais attention, ce livre ne parle pas de la pandémie. Non. Il parle des Juifs. Hein, il parle des oui, Juifs. Oui. Et bah, il me semble que... Et ça, c'est une question qui est vraiment, je dirais, qui est d'abord une question européenne. Et évidemment, c'est une question par exemple, qui se pose beaucoup moins, en tout cas, beaucoup, beaucoup moins dans toute l'Amérique latine. Elle se pose dans l'Amérique protestante, dans l'Amérique des États-Unis, où l'antisémitisme a aussi joué un rôle très important. Et l'antisémitisme n'est pas n'importe quoi. L'antisémitisme est quelque chose qui vient de très, très, très profondément dans les racines de la civilisation européenne. C'est-à-dire, c'est une opposition entre la pleine autonomie grecque et l'autonomie hétéronomique, si on veut, juive. Et depuis 20 siècles, l'Europe fonctionne avec ce rejet interne qui a abouti, comme on sait, qui a abouti évidemment d'une part à la Shoah, mais d'autre part aussi à l'expulsion des Juifs finalement hors d'Europe et à la recréation d'un État d'Israël qui pose une quantité de problèmes. Donc, mais
en dehors de tous les problèmes qu'on connaît, l'antisémitisme est le signe de quelque chose. Il est le signe d'une sorte de divorce interne à la civilisation européenne. La civilisation européenne est une civilisation profondément schizophrénique. C'est pour ça qu'elle a inventé cette chose qui est unique dans l'histoire de toutes les civilisations, de désigner un peuple comme le peuple maudit, qui est d'ailleurs un peuple qui s'est lui-même désigné comme le peuple élu, etc. Bon, voilà. Et ça, c'est très important. Et en même temps, il est très remarquable que justement l'Amérique latine est assez étrangère à ça. Bon, et que même s'il y a eu de l'antisémitisme dans les pays d'Amérique latine, c'est toujours resté très loin de ce qui s'est passé, non seulement en Europe, mais aussi en Amérique, en Amérique américaine, en Amérique anglaise. Bon. Et ça, c'est significatif. Et ça va sûrement avec des quantités de caractères de l'Amérique latine qui sont à la fois le catholicisme, la littérature, un certain rapport à la mort aussi. Bon, tout ce qui est dans l'originalité de l'Amérique latine, je trouve, ça se retrouve aussi dans le fait que d'une certaine façon, la question de l'antisémitisme n'est pas vraiment une question pour l'Amérique latine. Tellement, c'est une question dans l'axe de notre civilisation, parce que c'est la question de l'autonomie. Notre idéal, il a toujours été grec, archi-grec, autonomie, tout faire par soi-même. Et ça, c'est précisément ce qui fait une impasse ou une aporie. Bon. Je m'arrête là parce que sinon. Je suis grec. Bon, je viens de pays d'origine. Mais alors, je vais passer dans la troisième question. J'ai lu, j'ai publié le texte. Le mal, la puissance, qui est un texte sur le virus aussi. Et dans ce texte, c'est un peu surprenant pour moi, parce que tu parles d'amour et de la conscience de la mort. Et cet argument, c'est-à-dire que quelqu'un peut distinguer dans les masques quoi sa vie, la personne, bon, que quelqu'un tombe en amoureux avec une personne, et c'est le même sentiment que la conscience de la mort. Cet argument a eu un grand impact sur moi. Comment les deux sont-ils connectés? De quoi? L'amour et la mort? L'amour et la conscience de la mort. C'est un argument dans le texte « Le mal et la puissance » que tu fais. C'est un... d'autres philosophes, d'autres personnes. C'est un argument d'autres personnes que vous citez dans ce texte. Oui, mais le... Parce que évidemment, il n'y a pas d'amour s'il n'y a pas un rapport au caractère mortel de l'autre. Parce que si l'autre est immortel et moi aussi immortel, qu'est-ce qui fait le prix? Qu'est-ce qui fait le prix particulier? L'amour, c'est une question de prix, mais au sens, l'amour, ça veut dire accorder un prix absolu, unique, à quelqu'un. Uh-huh. C'est ça le sens du mot latin caritas, la charité. La charité, ça veut dire c'est cher, oui. Si je l'aime, c'est qu'il vaut ou elle vaut très cher.
Mais sauf que justement, c'est un prix qui ne peut pas se calculer, bien sûr, avec la monnaie. Bon. Il n'y a un prix absolu, une valeur. Bon, si on peut remplacer prix par valeur, c'est plus clair. Il y a une valeur absolue à l'existence d'un être que, justement, si cet être il est suspendu dans sa contingence, parce que s'il est, on pourrait dire, on voit pas pourquoi Dieu aimerait un autre Dieu comme lui, éternel, puissant. Il n'y a pas de raison de s'aimer. Ils sont là, il n'y a aucun rapport de sens, justement, d'évaluation. Tandis que l'amour veut dire, j'estime que tu vaux un prix incalculable. Non. Le commandement chrétien de l'amour, ce n'est pas du tout une affaire sentimentale. Le commandement chrétien de l'amour, je pense, c'est arrivé dans une société, la société romaine, méditerranéenne de ce temps-là, qui était devenue une société desséchée, une société où on ne savait plus quel prix on accordait aux gens. Bien entendu, il y avait toujours des amoureux, il y avait toujours des rapports amoureux, sexuels et des amitiés aussi. Mais la très grande importance de l'amitié chez les philosophes de Romains en particulier, c'est aussi un signe de ça. Donc, l'idée chrétienne de l'amour, qui est après tout une idée très bizarre, c'est extrêmement bizarre. C'est le seul Dieu de toute l'histoire de l'humanité qui soit lui-même ce qu'on considère comme un sentiment ou un affect. Dieu est amour. Et qu'est-ce que ça veut dire, Dieu est amour? Ça veut dire, ce qui est divin, c'est le fait de reconnaître à l'autre une valeur absolue. Et ça, c'est ce que, au fond, nous n'arrivons pas à comprendre. Ce qui est peut-être incompréhensible, mais et c'est pas moi qui invente de parler de ça, c'est Freud. Dans Malaise dans la civilisation, Freud dit, voilà, la violence de l'humanité moderne est telle qu'il n'y a qu'une réponse qui est à la hauteur de cette violence, c'est l'amour chrétien. Mais bien sûr, Freud dit, mais c'est impraticable. Alors, je dirais, Freud a tout dit avec ça. Freud, il a compris dans les temps modernes pourquoi l'amour chrétien est apparu. L'amour chrétien est apparu à un moment où la civilisation était déjà en train de devenir une civilisation dure, une civilisation technique, dominatrice, etc. Bon. Et on pourrait longuement développer, par exemple, ce que représente le droit romain en face, justement, de l'amour chrétien. Et maintenant, évidemment, ça suffit avec l'amour chrétien. L'amour chrétien, il est complètement usé, c'est fini, on ne peut plus en entendre parler. Alors, quoi? Bon. Simplement, je voulais dire, là, bon, mais oui, est-ce qu'on peut donner un autre contenu à cet amour, ou bien est-ce qu'il faut le penser dans d'autres termes? Mais mettre à la place d'amour, mettre solidarité, care, soin, ça ne va pas. Ça ne va pas. Parce que tout ça, ça part au contraire d'un présupposé de faiblesse. Ah, l'autre est faible, il faut que je m'occupe de lui. Oui, mais moi aussi je suis faible. Alors il faut quelqu'un se mange. Mais non, l'amour au contraire part du présupposé de la valeur absolue de chacun.
Est-ce qu'il y a une manière non chrétienne de penser la valeur absolue de chacun et de tous? Voilà la question. Bon, merci. Et pour terminer, la dernière question. Bon, bon, le texte antérieur que tu as lu, le texte avec Jorge Volpi, tu termines ce texte avec l'affirmation « Tandis que nous connaissons notre existence incalculable ». Et mes questions très, très générales, que peut-être c'est une répétition d'autres contextes, d'autres catastrophes, c'est la pandémie, cette pandémie, une pandémie en général, est-elle nécessaire pour se connaître? C'est-à-dire la situation que nous traversons, c'est nécessaire pour se connaître? Non, évidemment, ce n'est pas nécessaire. Non, rien n'est nécessaire. Mais quand ça arrive, ça arrive. Alors, il faut le prendre et faire avec. Et en effet, ça suscite beaucoup de remarques, d'interrogations, de pensées qui peuvent... Mais bien sûr, il n'y a pas de nécessité. Il faut commencer par partir de là. Il n'y a aucune nécessité, nulle part. Ni même dans l'existence du monde n'est pas nécessaire. Mais à l'intérieur de la non-nécessité, il y a des occasions, il y a des possibilités à saisir ou pas. Bon. Mais il y en a d'autres que les pandémies, oui, bien sûr, heureusement. Mm-hmm. Bon, les organisateurs m'ont écrit pour terminer cette conférence. Si vous pouvez terminer avec une réflexion finale propre. Finale. La finale, très grande réflexion mondiale. Une réflexion finale pour terminer le la conflit. Fin du monde. La dernière chose. Non, je pense, mais je l'ai dit tout à l'heure, je crois, en discutant avec le professeur, j'ai oublié son nom là tout à l'heure. Je crois que maintenant, la question de savoir pourquoi nous accordons du prix à la vie humaine, cette question est posée. Et nous n'y avons pas répondu. Maintenant, la pandémie, elle donne une très bonne occasion de dire ben, il faudrait savoir pourquoi nous tenons à la vie humaine. Hein? Voilà. Pourquoi? Je ne sais pas, tu es en train d'écrire un autre livre ou un livre sur la pandémie? Non, pas sur la pandémie. Non, uh-huh. Non. Qu'est-ce que le projet, futur? En ce moment, j'écris quelque chose au sujet du « ça » de Freud. Uh-huh. « S ». C'est-à-dire de ce qui n'est pas le sujet, de ce qui n'est pas le moi. Hein? Uh-huh. C'est ça qui m'intéresse. Ok. Bon, je voulais inviter à Jorge. Jorge, as-tu quelques questions, de nouvelles questions, d'autres questions que peut-être tu peux continuer? D'accord. Non, juste, alors, pour conclure, juste une petite dernière question. Merci. Et je pensais que parmi les dernières réactions géopolitiques face à la pandémie, il y a un certain consensus libéral par rapport à la nécessité d'augmenter la portée d'institutions internationales comme le OMS pour qu'elles puissent agir effectivement en cas d'urgence et ne pas se limiter à des simples recommandations.
tout cela dans un contexte de réapparition, de nationalisme, de populisme, qui met en péril les communautés internationales comme l'Union européenne. Alors, considérez-vous que l'État-nation retrouvera ses forces dans la mondialisation ? Non, 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 non. Je pense qu'il n'est pas, je pense qu'il n'est pas assez fort. En effet, mais ça, c'est une, ça aussi, c'est une question qui est déjà là depuis longtemps avant, avant la pandémie. C'est la question du droit international et des possibilités d'action des institutions, des quelques institutions internationales qui existent. Il y a longtemps qu'on sait que l'ONU, c'est, comme avait dit De Gaulle, c'est un machin. C'est extrêmement méprisant comme expression, c'est un machin. Bon. L'OMS, ces derniers mois, nous avons appris beaucoup de choses sur l'histoire de l'OMS, de la représentation de divers pays dans l'OMS dans les derniers mois. Bon. Donc, l'OMS, c'est très bien, disons, un OMS doté de pouvoirs plus importants, c'est très bien, mais à quelles conditions et comment, bon. Ça, c'est en effet. Mais encore une fois, je pense que cette question-là, qui évidemment soulève tout de suite des quantités d'aspects, qu'on pourrait dire, de droit public, de droit international. Bon, il y a des gens, il y a des spécialistes qui élaborent des choses très bien pensées. Mais il reste que jusqu'à présent, tous les organismes de droit international qu'un État ou plusieurs États ont voulu ne pas reconnaître, ils ne les ont pas reconnus. Actuellement en Europe, c'est ce qui vient de se passer avec la Cour suprême allemande qui a décidé de passer par-dessus la Cour européenne des droits de l'homme. Bon. Bah. Mais après ça, les États-Unis ne reconnaissent pas un certain nombre de tribunaux internationaux, etc. Bon. Donc, évidemment qu'il y a des quantités de mesures techniques qui peuvent être souhaitable pour que l'OMS fonctionne autrement, mais le fond de la question, il est plutôt dans comment est-ce que nous pensons et est-ce que nous reconnaissons à la fois l'existence des peuples qui est très réelle. C'est certain que qu'il y a un peuple mexicain et qu'il y a un peuple russe et qu'il y a un peuple du Zimbabwe. Mais, est-ce que ces peuples doivent être nécessairement pris dans les cadres d'États-nations et quels sont les rapports entre ces États-nations? Voilà, ça, ce sont les vraies questions de demain ou de tout de suite déjà. Tout à fait, tout à fait. Bon, merci beaucoup pour tout. Entonces, vamos a terminar la plática de hoy. Agradecemos mucho otra vez a Jean-Luc Nancy, a Jorge Rizzo, que estuvo con nosotros con sus preguntas muy enriquecedoras y las respuestas de Jean-Luc Nancy. Y obviamente a la UNAM, que es un gran lugar de reflexión y de sensibilización de la población en general mexicana. Y un agradecimiento personal por ser invitada a conducir esta plática de hoy a TV UNAM y a la serie de Pensadores Contemporáneos. Muchas gracias y estamos en contacto aquí por Zoom siempre. Gracias. Merci. Bonjour. Au revoir. Au revoir. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci beaucoup.